D'abord, quand ils ont mis les pieds dans le stade, la première chose, c'était le projet, tu viens à vélo, t'as un cadeau. Donc, tous les enfants qui sont venus à vélo ce matin, ils ont eu un cadeau. Donc on a eu des partenaires, plusieurs partenaires, Caisse d'épargne, Deux Rouvertes et d'autres, qui nous ont permis, et Carrefour Market, qui nous ont permis d'avoir des cadeaux. Et donc chaque enfant est reparti en posant son vélo avec un cadeau. La deuxième chose, c'est le tri des déchets. Notre rôle, c'est aussi d'éduquer. Donc on ne va pas trier les déchets à leur place, mais on a mis en place des personnes qui vont faciliter le tri des déchets avec des poubelles qui sont pour les déchets organiques, des poubelles pour le tri sélectif, carton et papier, et des poubelles pour les plateaux. Parce que les plateaux, ce sont des plateaux en canne à sucre. Et les couverts sont des couverts en bambou. Donc, ces plateaux et ces couverts vont être broyés et ça va permettre de pailler les arbres de la municipalité. Donc, on a une association avec la mairie de Tournefeuille pour le tri sélectif et notamment avec les plateaux et les couverts. Et on a voulu associer donc une éco-conception avec le cœur du village. Et donc on a travaillé avec Pascal Danet de Respire et Créavélum qui ont développé un concept de toiles qui sont tendues à partir d'un procédé avec du bambou aussi. Et ça permet de donner un côté très aérien et un esprit, on va dire, totalement en ligne avec l'éco-tournoi qu'on a voulu, on va dire, développer tout au long de ce week-end.